19h, 19h, es-tu bien au bon endroit? Je suis The Big Gamowski et aujourd'hui on va encore étoffer nos encyclopédies du shmup puisque on va repartir vers des trucs vachement sympas. D'ailleurs les filles, vous pouvez venir. Allez, faites pas votre timide. Vous savez pourquoi je vous ai dit vous pouviez venir aujourd'hui? Vous savez pas? Vous voulez savoir? Vas-y, tiens, droite. Bah oui. Oui, aujourd'hui on va être X un petit peu, je pense, parce qu'on va parler d'un jeu qui s'appelle Super X. Un jeu qui est sorti en 1994. Non, les filles, vous pouvez y aller, il n'y aura rien de cochon, je suis désolé. C'est juste un shmup. Et ce jeu sorti en 1994 est parfaitement inconnu, car parfaitement mal distribué. Et pourtant, il y a des petites chances qui se révèlent parfaitement jouables. Ai-je raison? Ai-je tort? Vous le saurez tout de suite après le flash météo qui annonce une tempête de brouette au-dessus de Lyon ce soir. Ça arrive. Ah oui, 6 points de vue originalité pour le nom, ça volait pas haut. Peut-être que ça sera mieux pour le jeu. Alors, du peu qu'on peut en voir, apparemment ça tire beaucoup, hein. Ça tire large, c'est un peu fouillis même. Alors la grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va être assez lisible pendant la baston? Parce que là on peut avoir le doute. C'est chouette de faire des gros tirs qui balayent la moitié d'écran. Mais il y a des tirs à éviter aussi. On va foncer dedans, ce sera beaucoup plus simple. Démystifions. Alors, qu'est-ce que c'était? J'ai détruit un ennemi, ok. Je ne sais pas ce qu'est un bonus ni ce qu'est un ennemi. Pour l'instant, tout ce qui me sert dessus, c'est un ennemi, on va dire. Et toi, tu vas être un ami parce que tu auras un bonus, on va dire. Non, non, allez, fais pas ton rat. Ça commence super bien. Alors, j'ai plein de couleurs. Ça veut dire que j'ai plein de tirs, mais qu'il n'y en a qu'un que je peux avoir actif et que je peux donc augmenter. Et c'est quoi cette boulette qui a changé de direction? Comment ça? Non, non, j'ai pas rêvé. Oui, super power. Alors à partir de maintenant, le jeu, c'est de plus jamais prendre un tir. Et de finir en 1cc le jeu. Faut vraiment y aller calmos en fait, y a pas de stress à avoir. Alors la musique, pardonnez-moi. 94 les gars, il y a un problème. Il y a un gros problème là. Alors ils ont repris le principe de bonus à la Raiden, c'est-à-dire ils changent de fonction selon le moment où vous les récupérez. Ce qui fait que pour gérer votre tir, bah ça va vous amener à faire quelques acrobaties parce que sinon vous n'allez pas choper le tir que vous voulez. Ou en voulant choper le tir que vous voulez, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Vous allez vous jeter sous une boulette comme un crétin. Oui, oui, ne vous moquez pas, tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie dans un shmup. Alors, du coup, là, j'ai décidé d'encombrer l'écran avec un max de bonus. C'est ma nouvelle stratégie. C'est parfaitement idiot, mais je vais le faire quand même. Bah oui, vous me connaissez, c'est un truc con à faire, je le fais. Alors, au bout d'un moment, ils se barrent quand même. Ils en ont marre, les pauvres bonus. Ils sont là, ils font. Le gars, il nous veut pas. On fait quoi? Le problème, c'est que là, on sait pas ce qu'il prend vraiment dans le buffet, le pauvre boss. Oui, je vais dire le pauvre boss parce que pour l'instant, il est pas très menaçant. Hein. J'ai l'impression de me faire agresser par un radiateur. Et manque de bol pour lui, je suis un joueur du futur, oui je viens de ces années où on a déjà vu des patterns comme ça et franchement on peut pas trop être surpris. Iiii, sauf que ce soit le bordel sur l'écran et qu'on l'ait pas vu venir. Ah que oui qu'on continue. Alors je pourrais changer mon tir, mais je ne suis pas fair play. Vous me connaissez.
cette musique est pas top. Hein. Alors, est-ce que le jeu est jouable? Oui, il y a un problème de lisibilité, mais il est super jouable. Il est aux limites faciles une fois qu'on a pigé son fonctionnement. Prétendre que je l'ai pigé en un run au premier tableau, j'en suis pas loin en fait. Parce que il n'y a rien de très scientifique pour l'instant. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Ah, surtout pas. Surtout pas. Parce que c'est jouable. Il y a un je ne sais quoi. Mais c'est brouillon, c'est très brouillon, c'est ça qui est dommage avec ce jeu. Ce qui fait qu'au premier niveau, bah on sait pourquoi on s'en sort, c'est pas trop compliqué. Et puis de se placer tranquille. J'ai toujours pas essayé la bombe d'ailleurs, ça me fait penser. Et puis de faire grossir son tir, hein, comme un pigeon. L'orange, je veux du orange. Oui, ça je veux. Non, ça je veux. Ça je veux. Donc voilà, le jeu a pas inventé l'eau chaude. C'est un shmup classique. Qui doit avoir quelques petits charmes et quelques petits boss qui ont peut-être 2-3 patterns rigolos si on avance bien dedans. Mais là, dans l'état des choses, moi je m'ennuie un poil quand même. Oui, c'est tout juste si je fais pas exprès de me jeter sous les boulettes. Merde. Bon bah, on va prendre bleu. La bombasse. À fond, ça te donne des points. Ok, je note. Mais je m'emmerdais à pianoter la touche tir alors que regardez-moi ça. Je fais une véritable boucaquée de tir en maintenant appuyé. Ou je vais plus me fatiguer, je crois. Alors du coup, on voit pas grand-chose, hein, je confirme. Je confirme et je le montre même en image. Je commence à me tâter hein, entre le mettre dans les sélectionnés ou la malle au grenier, la fameuse malle où on oublie tous les shmups qu'on très très mal vieilli. On va voir ce que va dire ce boss. Hop hop pa. C'est bon. C'est bon, je te mets dans les sélectionnés, fais pas la gueule. On va essayer quand même de voir s'il a d'autres patterns derrière. Ça c'est rigolo. Oui, je me suis scratché dessus fièrement. Je me tâte vraiment. C'est vous qui choisirez. Si vous voulez le lâcher dans la malle au grenier parce qu'il vous plaît pas, vous avez de très bons arguments. Si vous voulez le mettre dans les sélectionnés, parce qu'il a, bah, il représente son époque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est plus très jouable, bien que noter quand même qu'en 94 on avait des titres qui envoyaient autrement mieux que celui-là, niveau jouabilité. Les gens qui faisaient du dev avaient déjà pris conscience qu'il y avait des choses à perfectionner, notamment la jouabilité avant toute autre chose. Et donc moi j'aurais plutôt tendance à le foutre dans la balle au grenier. Mais bon, si vous trouvez ça amusant, faites-vous les dons hein, sur ce jeu. Il pourrait être bien pour vous. Combien de minutes j'ai fait? 9 minutes en régie, on me dit. C'est parfait. Oui, je suis le dôme invisible. Donc, Super X, tu es à cheval. Tu es le cul entre deux endroits, c'est-à-dire la malle au grenier et les sélections de base de shmup. À essayer. Moi, je vous recommande de l'essayer. Au moins, vous me ferez une idée. Vous verrez si c'est pas trop bordélique pour votre propre goût. Moi, je le trouve vraiment... ça manque de finition. Je vous quitte avec les deux streams habituels. Et puis, je vous rappelle qu'il faut vous abonner. Puisque si vous vous abonnez, eh ben, on sera plus nombreux. Et si on est plus nombreux, j'aurai plus de moyens. Et si on a plus de moyens, on va beaucoup plus loin. Voilà, c'est tout. À demain, 19h. Ciao! Je déteste cette musique. Enlevez-la moi.